une nouvelle marque espagnole, la marque Dietox, qui est une marque qui propose des cures de jus Dietox à base de fruits et de légumes sur plusieurs jours, qui se situe à Barcelone. La fabrication est espagnole. C'est novateur et ça arrive en France et en fait je vais être distributrice. Je ne sais pas encore si vous le savez, mais voilà, je commence à travailler dans le milieu de la nutrition. Donc en fait c'est des produits que je vais pouvoir vendre et proposer. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. D'une part pour faire découvrir la gamme, et si quelqu'un est intéressé, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. J'avais envie de faire une vidéo pour faire découvrir un peu ce qui se fait. Enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment de très très bien. Ça peut vraiment cibler des personnes qui n'ont pas forcément de poids à perdre, voilà, mais qui lors de repas trop copieux, les fêtes, etc., ont pris 1 à 3 kilos et veulent se réguler grâce à ces jus, de détoxifier son corps aussi, et puis toutes les personnes qui sont très regardantes, voilà, au niveau de l'ossement de leur poids, 1 à 3 kilos, il y en a qui se surveillent énormément, qui ont un très bon équilibre sportif et alimentaire et qui, bah, comme tout le monde, des fois on va se faire plaisir et du coup qui veulent réguler ça assez rapidement. Et voilà, en se faisant du bien à son organisme avec des cures de jus comme ça. Donc il y a des cures d'un jour, 3 jours, 5 jours, et je crois que le maximum c'est 5 jours ou une semaine. Et sur un jour vous avez 6 jus à boire du matin au soir, environ toutes les 2 heures vous avez votre jus. Et grâce aux fibres qu'il y a à l'intérieur, aux protéines végétales, vous allez pouvoir tenir sur toute la journée. Donc aujourd'hui moi je vais faire le test, de boire mes 6 bouteilles. Je vais vous présenter les autres après. Donc du coup déjà j'ai reçu ça dans un petit carton. Donc voilà, ce sont des cures à consommer sous 7 jours maximum. Donc prévoyez un petit peu dans vos agendas que vous n'ayez pas de sortie spéciale pour commencer votre cure, pour être vraiment tranquille. Et une fois que la bouteille est ouverte, voilà, on peut la consommer jusqu'à 2 heures. Puisque voilà, c'est des produits 100% naturels, sans conservateur dedans, c'est du frais, frais, frais. Donc voilà, il faut vraiment respecter cela. Donc voilà, vraiment, c'est ça qui me plaît. C'est tout ce qui est les produits bio, là, qui ne sont pas testés sur les animaux. 100% naturel, il n'y a pas de conservateur, tout est frais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que je suis très heureuse de devenir distributrice et de proposer cette marque. Donc vous recevez dans votre colis ce petit fascicule, cette petite fiche qui va vous guider. Donc là pour le smoothie numéro 1, donc moi j'ai pris la cure d'un jour pour tester. Du coup ça sera aussi un bon test pour moi qui ai subi une sleeve, hein. J'ai eu une chirurgie bariatrique par rapport à mon petit estomac, et en plus ça va me faire boire, moi qui ne... ça va me faire vraiment du bien je pense. Donc le jus numéro 1, voilà, donc il se présente comme ça. Le premier, je vous le montre ici, c'est le breakfast à consommer entre 7h et 9h. Donc voilà, c'est le premier smoothie à prendre. À l'intérieur il se compose d'eau, de purée de poire, de jus de pomme, de jus d'épinard, de jus de concombre, de jus de citron, du thé vert en poudre et de la vitamine A. Dans un premier temps, ça nous surprend le goût, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces styles de fruits et de légumes mélangés. C'est pas quelque chose qu'on fait énormément dans notre quotidien, mais c'est bon. On sent bien que c'est frais, que voilà, on retrouve tous les ingrédients cités, on les retrouve bien au niveau du goût. Et voilà, c'est surprenant parce que c'est... voilà, c'est des jus, comment dire, on sent que c'est frais. Ça se boit impeccablement bien, franchement. Au niveau du goût, c'est bien. Alors je pense qu'il y a d'autres goûts que je vais préférer, hein. Voilà, il y a de l'épinard, du concombre, ça peut pas plaire à tout le monde, les légumes verts, ils sont plus carottes, etc. Mais je pense qu'il y en aura tout au long de la journée. Mais ça se boit sans problème. Voilà, comme ils disent, il n'y a aucun ajout de sucre. Le sucre, le taux de sucre, c'est 100% naturel. C'est le sucre qu'on va retrouver dans les fruits notamment et les légumes. Donc c'est source de fibres, c'est ça qui va vous aider à tenir et avoir un bon transit. C'est vegan. Donc ça, voilà, ça va intéresser beaucoup de personnes en recherche de ces produits naturels. Récupérer la vitalité du corps, c'est vrai que... en période hivernale ou automnale, se faire une petite cure comme ça par mois, je pense que ça peut valoir bien des médicaments. On ne consomme pas assez de fruits et légumes, donc ça je trouve c'est génial.
voilà, d'autres bienfaits, débuter un nouveau style de vie beaucoup plus sain, voilà, si on veut se diriger, voilà, apprendre à goûter les jus, à goûter les fruits, les légumes, à les découvrir, voilà, de façon saine et pure, ça c'est vraiment chouette. Diminuer la fatigue en favorisant un meilleur repos, forcément quand on mange mal, enfin voilà, hein, je ne vous fais pas de dessin. Compenser des jours d'excès, voilà, ça c'est ce dont je vous ai parlé. Et avoir une peau éclatante, lisse et hydratée. C'est vrai que tout ce qui est cure de jus et de jus de fruits, de jus de légumes, c'est extrêmement bon au niveau. Ben là, ça se présente sous smoothie, donc pour l'hydratation du corps et pour la peau. J'en sais quelque chose puisque quand j'étais obèse l'an dernier, j'avais des problèmes d'acné avec des kystes. Je ne pouvais pas sortir le visage non poudré, maquillé. Avec du fond de teint, aujourd'hui je n'en mets plus, je mets un peu de poudre ou de bébé crème de temps en temps et je n'ai plus de problème de boutons, je peux sortir démaquillée avec ma peau naturelle sans problème. Pourquoi? Parce que d'apporter à votre corps un surplus de gras, un surplus de sucre, c'est pas bon. Le corps sur les cheveux, ça agit pour tout. Sur une journée, ça équivaut à 1100 calories environ. Donc il faut bien respecter les heures de prise puisque dans la journée, on a besoin d'une énergie plus ou moins. Hein, le fameux coup de barre après manger le midi. Là, dans le jus qui va être de, je crois, 13h, 15h ou 10h midi. Enfin voilà, chaque jus va apporter son énergie en fonction de nos besoins tout au long de la journée qui sont finalement différents. Donc voilà, pour les autres produits, je vous en reparlerai en temps et en heure. Mais voilà, je suis vraiment contente de devenir distributrice de la marque et de pouvoir proposer ça. J'ai été obèse pendant longtemps, pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, je m'intéresse énormément à ce qui touche la santé, le bien-être, la nutrition. Et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier dans l'avenir et d'aider les gens qui ont besoin. Parce que je sais trop ce que c'est d'être mal dans sa peau, dans sa tête. Et d'avoir des problèmes de santé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer des produits, et pas n'importe lesquels, des produits, des bons produits. Du coup, ce que je vais vous faire, c'est que durant toute la journée, je vais revenir me filmer et tester les goûts avec vous et vous dire de quoi est composé le smoothie. Me voici pour le smoothie numéro 2, qui est celui de 10h à midi. Dans ce smoothie, nous avons de la purée de banane, de la purée de carotte, de l'eau, de la purée de courgette, du jus de betterave, du jus de citron, des flocons de quinoa, du jus de cale, de l'extrait de guarana en poudre et de la vitamine B12. Et donc je regoute devant vous pour vous dire un petit peu mes impressions, mais celui-ci bah, je le préfère au celui du matin. Mais bon après voilà les goûts et les couleurs. J'ai reconnu la banane et la carotte. J'adore les jus de carotte et les jus de banane, c'est pour ça que celui-ci j'aime beaucoup. Il est vraiment super bon. C'est parti pour le troisième smoothie. Alors, que vous voyez ici, c'est le smoothie de 13h-15h. Donc dans ce smoothie-ci, on a de la purée de tomates, de la purée de poivron. Il va me plaire celui-là. Du jus de concombre, vinaigre de vin rouge, j'adore. Flocons de quinoa, oignons en poudre, jus de citron, huile d'olive, sel et ail en poudre. Ça sent le gazpacho. J'adore. J'adore. Pour l'instant, pour ma part, hein, pour ma part et mes goûts, c'est celui-ci, que je préfère. Voilà, donc ça c'est pour le repas du midi. Pour le smoothie numéro 4, qui est celui de 16-18h. Donc en fait, Vous prenez votre bouteille à 16h et vous avez jusqu'à 18h pour la boire en fait. Et quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que là c'est la summer edition pour la cure de Dietox. En fait il s'adapte et change les ingrédients qu'il y a à l'intérieur au fur et à mesure de l'année, des saisons, des fruits, des légumes dispo frais. Donc ça je trouve que c'est génial, c'est à dire que voilà, si vous faites une cure en été, elle sera différente après. Voilà, ça évite de se lasser, de découvrir plein de goûts nouveaux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors pour le numéro 4, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De l'eau, du lait d'amande, de la purée de banane, de la purée de framboise, de la purée de myrtille, du jus de betterave, de l'açaï, je crois que ça se prononce comme ça, en poudre et de la vitamine B2. Donc, on va goûter. Donc toujours remuer, bien sûr. Que tout soit bien homogène, donc ça se présente comme ça. Et c'est parti.
On a le goût un petit peu plus crémeux, un petit peu plus amer de l'amande. Là, on est dans le fruit pour celui-ci. Il est super bon, ça passe vraiment super bien. Pour le moment, je n'ai aucune envie de manger aucune fringale, je me sens bien. Donc, désolée, bah, du coup, il est hyper tard, il est 1h du matin. On est samedi aujourd'hui, voilà, j'ai fait ma cure aujourd'hui. Parce que je pouvais la faire sur les différentes heures, mais j'ai tardé un petit peu ce soir, mais du coup, c'est pas grave. Donc, du coup, le dernier, le voici, le voilà. Donc, celui-ci, il y a quoi à l'intérieur? Moi, j'ai senti le goût de banane chocolat, on va voir. Eau, purée de banane, lait d'amande, jus de pomme, cacao en poudre, jus de citron, maca en poudre et cannelle en poudre et vitamine B1. Eh bien. J'ai goûté un petit peu, mais je vais regoûter avec vous pour vous donner mes impressions. Il est vraiment chouette parce que ça apporte vraiment sur la fin de la journée la note sucrée, un peu genre. Ouais, on sent vraiment le choco-banane et moi j'adore. L'association des deux, et ça fait plaisir, ça fait comme un petit chocolat du soir. Donc voilà, je vais le finir tranquillement et puis on va se retrouver donc du coup demain pour les résultats. Bonjour tout le monde, nous sommes donc le lendemain et on va faire le bilan de la journée d'hier de la cure et détox. Donc ce matin, je me suis pesée à ma grande surprise. J'ai perdu 900 grammes, autant dire 1 kilo, on va dire 900 grammes. C'est juste énorme dans le sens où moi je suis opérée d'une sleeve, donc une réduction de l'estomac. Je ne mange en temps normal pas beaucoup et j'aurais pas cru perdre autant qu'une personne par exemple qui mange beaucoup beaucoup plus. Donc ça marche aussi dans mon cas, ça m'a fait du bien comme je vous disais hier, hein, puisque ça m'a reposé l'estomac, voilà, et je me suis vraiment sentie en forme et je me sens revigorée en énergie. Donc voilà, au-delà aussi de la perte, pensez aussi que ça va un peu vous donner un coup de fouet que de faire une cure d'un jour tous les mois ou 3 jours, hein, ça dépend. Je ciblerai plutôt un jour par mois quand c'est régulier. Et 3 jours pour une perte un peu plus intense et après un repas copieux, une fête, les fêtes de fin d'année ou bien pour vraiment donner un coup de boost à un programme alimentaire, un régime alimentaire qui va suivre après. Pourquoi pas démarrer en boost avec une cure de 3 à 5 jours pour perdre, je sais pas, moi, entre 2 et 3,5 kg. Je pense que c'est possible de perdre. 2,5 kg sur les 3 jours et sur les 5 jours, bien 3 kilos. Ça peut être vraiment un boost, un démarrage si vous avez un programme alimentaire après. Donc la chose importante bien sûr après par exemple cette cure d'un jour est de ne pas le lendemain se goinfrer de fast-food, de sucre, etc. Il faut vraiment pour garder ce gain de perte de poids, de continuer le lendemain, de remanger normalement, équilibré avec du sport, une activité variée. Une activité physique régulière pour garder cela. Voilà, ce n'est pas des cures. Et c'est comme pour tout. Il faut vraiment rester dans l'état d'esprit où vous allez bien manger après pour vraiment en tirer le meilleur des bénéfices. Cette expérience de test de cette cure ne m'est que bénéfique. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour mon avis. Celles qui seraient intéressées pour cette cure ou avoir des conseils, n'hésitez pas à me contacter puisque du coup je deviens distributrice. J'aurai d'autres produits, notamment de thé que j'ai ici. J'ai vraiment très hâte de les goûter. Donc là, j'ai pris une variété de voilà que je puisse un petit peu découvrir ça avec vous. Ah oui, il y en a 6, il y a les 6 en fait. Donc vous pouvez ou acheter le pack où il y a les 6 gammes ou après les avoir individuellement. Donc il y a une gamme de thé pour l'énergie, une pour la vitalité, une pour cibler pour la digestion. Ça, c'est chouette. Une voilà, qui va être antioxydante, une relaxante, et ça se présente sous forme comme ça. Donc voilà, ça je vais vous en refaire une vidéo voilà, pour tester tout ça. Voilà pour mon avis sur la cure détox, et moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!